si on aime le foot, c'est pour voir des matchs comme ça. Quelle excitation! On arrive tout de suite. La pression monte avant le coup d'envoi. C'est dans quelques instants. Salut à tous, nous sommes à Paris, au Parc des Princes. La team Dada, comme d'habitude, vous retrouve pour vous faire vivre ce match comme si vous y étiez. Dans une compétition comme celle-là, c'est important de ne pas laisser des points en route et d'essayer d'être le plus régulier possible pendant les phases de groupe. Très précoce. Ouais, c'est pas fini, hein. Le danger n'est pas complètement écarté. La frappe de Lewandowski! Et ça rentre! Voilà le premier but! Très rapidement! Ce match est lancé! Il y avait le feu dans cette frappe surpuissante. Et comme il y avait la précision aussi, c'est un but absolument imparable. Le PSG là qui peut se projeter dans le camp adverse. La grosse occasion pour égaliser peut-être. À la parade, mais le danger est toujours présent. Le ballon donné dans le dos. Ouais, le gardien fait ce qu'il faut. La récupération haute, le pressing est payant. Ah, il est bien placé, Lewandowski. Il la sort. Quel arrêt il vient de réaliser. Alors là. Avec Kylian Mbappé. Ah, la frappe pour l'égalisation peut-être. Et oui, c'est au fond. Et les Parisiens reviennent dans ce match. Regardez, elle est magnifique cette passe laser. Elle est télédirigée. Et il vient ouvrir tout à la défense. À la conclusion, on retrouve Mbappé à cette distance de la cage. Il est toujours imprétable. Taper la frappe. Ouais, bel arrêt, mais ce n'est pas fini. Warren Zaïre-Emery. La passe en profondeur. Kylian Mbappé. Et but. Goal, goal, goal. Son deuxième du match. Le doublé. Inarrêtable. Implacable. Quel sens du but. Voilà, c'est une passe filante qui vient transpercer la défense et mettre son coéquipier dans une excellente position. Et ça finit à deux joueurs contre le pauvre gardien qui ne peut pas faire grand-chose sur cette action. C'est fini, on en reste donc là pour ce premier match de groupe et ça commence plutôt bien avec cette victoire. On les a sentis de suite parfaitement dans le match. C'est une équipe qui dégage une forme de facilité, d'habileté collective dans le jeu proposé. Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel, il a vraiment tout pour lui. Poésie, magie, romantisme, il y a tout dans sa performance du jour. Son aisance, sa fluidité, son intelligence a mené son équipe à la victoire. Allez, allez, allez.